Vidéo make-up summer vibes round 2, c'est parti. Hello hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour un make-up très summer avec des paillettes, des couleurs. Pourquoi est-ce que je suis habillée différemment de ce que vous avez vu sur la miniature? On va en parler tout de suite. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais j'ai déjà filmé cette vidéo. Oui. Quand j'ai filmé la vidéo la dernière fois, j'ai eu la merveilleuse idée, hein, voilà, elle est mignonne, de mettre le ventilateur derrière la caméra en me disant mais oui, super, au lieu de le mettre à côté juste ici, je vais le mettre derrière, comme ça j'aurai le vent un petit peu directement sur mon visage et j'aurai pas les cheveux qui vont faire tout au long de la vidéo, voilà. Alors oui, certes, pour mon visage, c'était beaucoup plus facile de me maquiller. Par contre, pour le son, c'était beaucoup moins sympathique, puisqu'on entend plus le ventilateur que ma propre voix. Voilà, je refilme donc cette partie de vidéo, parce que comme vous allez le voir, j'ai pas refilmé le make-up des yeux. J'ai préféré le faire en voix off. Bref, je crois que vous avez compris un peu l'idée. On va fermer cette parenthèse. Avant de commencer, je voulais juste vous parler, en fait, d'une marque, d'une nouvelle marque que j'ai découverte. Avant, voilà, avant toute chose, je vous dis, la vidéo n'est pas sponsorisée, la marque ne m'a pas payé pour faire cette vidéo, la marque n'est même pas au courant que je vais faire cette vidéo. J'ai acheté les produits par moi-même et je vous en parle parce que j'ai eu un coup de cœur. Je parle de la marque Noge Beauty. C'est une nouvelle marque qui a été lancée très récemment, il y a quelques mois seulement. C'est une marque française, elle est cruelty free. Donc moi, j'ai commandé tout simplement une paire de fossiles, donc c'est la Don't Test Me que vous allez voir du coup dans la vidéo. Je vais les mettre avec vous. Donc c'est les Don't Test Me, voilà, je les trouve vraiment très très beaux. La base du fossile est transparente, ce qui fait que c'est hyper facile à poser. Le poil est très 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 beau, vraiment, parce qu'il n'y a pas cette espèce de surbrillance qu'on a sur beaucoup de fossiles, que moi j'aime moyennement parce que ça fait tout de suite très très fake. Là pour le coup on n'a pas du tout ça. Honnêtement, je les compare au Huda Beauty. Pour moi, la qualité est égale, si ce n'est supérieure au Huda Beauty, parce que les Huda Beauty, souvent, quand je les nettoie, ils se cassent la figure, quoi. Vraiment, ça se détache en morceaux. Enfin, j'arrive à les mettre quelques fois. Mais voilà, pour 30 balles le fossile, c'est genre ouais, ça me fait clairement bien, voilà. Là c'est pas du tout le cas. Déjà les fossiles, alors déjà coûtent beaucoup moins cher, puisque la paire de fossiles est à 14€. Vous les recevez dans cette boîte, voilà, tout simplement. Et pour le coup vous avez des fossiles que j'ai nettoyés déjà deux fois, voilà, et qui n'ont pas bougé. Donc vraiment, de tous les fossiles que j'ai testés, j'en ai pas testé un million, mais j'en ai testé quand même pas mal. J'ai testé les Ardell, les NYX, les Huda, j'ai dû en tester d'autres. Ce sont mes préférés à ce jour, vraiment. Je vous le dis, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. J'attends pour pouvoir en recommander, mais vraiment les fossiles de la marque Noge Beauty, vous allez les voir sur ma chaîne parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur de ouf. Ensuite, j'ai commandé des paillettes, les Summer Sun, qui sont des paillettes jaunes comme ça, néon. Elles font partie des 3 teintes en édition limitée qui ont été lancées pour la sortie, sachez-le. Voilà. Si elles vous intéressent, n'hésitez pas à les commander assez rapidement. Je sais pas du tout combien de temps elles vont rester, mais je sais que c'est une édition limitée. C'est un mélange de paillettes avec des plus grosses, des moyennes, des plus fines, et ça rend trop trop beau. Si vous avez envie de voir le rendu de ces paillettes, encore une fois je vous mets la photo juste ici du make-up que j'ai réalisé, mais vous avez sur mon Instagram, c'est Elie Sainty, comme la chaîne YouTube. Vous avez une IGTV où j'ai utilisé ces paillettes là, si vous avez envie de les voir. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur la deuxième teinte de paillettes que j'ai achetée. C'est donc les Milky Way. C'est la même taille de paillettes, c'est juste pas la même teinte. Et vraiment celles-ci sont sublimes aussi, vous allez le voir du coup dans la vidéo. Ce sont des paillettes avec des reflets un peu multicolores. Enfin elles sont vraiment trop trop belles. En caméra évidemment le rendu est moins joli qu'en vrai. Avec les paillettes malheureusement ça fait ça. Vous l'aurez compris, je suis ravie d'avoir découvert cette marque. Je vous ai pas parlé du prix des paillettes. Donc chaque paillette, chaque pot de paillettes fait 7 grammes. En comparaison du coup avec des paillettes de chez NYX, vous avez 2,5 grammes de paillettes. Chez Noge Beauty vous avez 7 grammes dans ce petit pot. Le pot de paillettes de chez Noge Beauty fait 9€. En sachant que pour leurs paillettes et leurs fossiles, qui sont pour l'instant les deux seuls produits que la marque a lancé, hein, vous avez des bundles. Donc c'est à dire que vous avez deux pots de paillettes achetés pour, je sais plus, donc ça ferait 18€ je crois, pour 15€, deux fossiles achetés pour 25€. J'ai plus exactement les prix en tête, mais de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, vous pouvez faire des petites économies comme ça. Vous avez le code -10%, ce sont les codes de filles que je suis sur Instagram. Je vous mets les codes en barre d'infos, ça vous offre -10% sur votre commande. Et voilà, en plus vous pouvez profiter des bundles si jamais ça vous dit. J'ai tout dit sur cette marque, je vais donc commencer tout de suite le make-up. N'hésitez pas à me dire vous, cette marque là, si vous en avez entendu parler ou pas, et si vous la trouvez bien ou pas, tout simplement. Parce que moi vraiment j'ai
un coup de cœur pour cette marque. Ok, on va commencer tout de suite le make-up et je vais faire du coup mon teint avec vous. Je vous laisserai en voix off pour les yeux. Je vais prendre du coup ma base comme d'habitude, Hydro Milk. Je galère à la prélever en fait, vraiment, parce que tout simplement elle est vide. Il faut vraiment que je la rachète. En ce moment du coup, dès que j'ai appliqué ma base, je prends ma poudre et je vais prendre la Fenty Beauty en teinte Cashew. C'est du coup, vous l'avez vu également sur Instagram, j'ai fait quelques petits achats soldes qu'on va tester dans cette vidéo. Et notamment cette poudre là, parce que c'est ma poudre préférée, vous le savez, la Fenty Beauty. Et elle est vendue en ce moment à moins 50% sur le site Sephora. Par contre attention, c'est pas toutes les teintes. Voilà, là la teinte Cashew l'était, mais par exemple ma teinte d'hiver, moi Butter, elle ne l'était pas. Ça me permet d'avoir un teint beaucoup plus lissé et de faire tenir plus longtemps mon maquillage. Ensuite je prends ma bébé crème de chez Herborian en teinte dorée. C'est ce que je mets en ce moment parce que j'ai vraiment pas mal bronzé. Le teint allé sans un gros char partout. Franchement c'est un plaisir de me maquiller le teint en ce moment. Je le fais moins du coup évidemment parce qu'en plein été voilà, mais quand je le fais c'est vraiment un plaisir quoi. Je vais tout de suite passer à l'anti-cerne et j'ai racheté en fait mon anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal, mais en teinte 334 Walnut. Voilà, il est tout simplement plus foncé et là en ce moment c'est juste parfait pour moi. Je l'adore vraiment celui-là, pour moi c'est le dupe du Shape Tape de Tarte. Donc j'en mets moins, voilà j'en mets moins parce que j'ai moins besoin là en ce moment de couvrance quand même que l'hiver. Forcément. Si vous n'avez pas envie d'acheter l'anti-cerne de chez Tarte parce que vous trouvez que c'est trop cher, n'hésitez pas, penchez-vous sur celui-ci parce que c'est une petite pépite. Je vais appliquer ma poudre, mais comme je ne suis pas encore à mon bronzage final, on va dire, la poudre en teinte Cashew, elle est trop foncée si je la remets en plus par-dessus. Donc j'utilise du coup ma teinte Butter de chez Fenty. En ce moment, je vous avoue, je galère avec mes teintes hein, pour faire mon teint. C'est un peu la galère. Comme j'imagine la plupart d'entre vous aussi, trouver ces teintes et tout c'est un peu chiant. Ensuite je prends ma houppette de chez Laura Mercier, je vais garder la teinte Butter et j'ai un nouveau bronzer et un nouvel highlighter à tester. C'est le duo Pinel Apple Sun de chez Too Faced. C'est un duo en fait bronzer et highlighter qui est vendu chez Sephora en ce moment en solde à moins 70%. J'ai réussi à le choper, je sais pas s'il en reste encore parce que vraiment moi déjà dès que j'ai voulu l'avoir, j'ai vu qu'il était out of stock, donc j'ai mis un rappel au cas où il revenait en stock. Et pour le coup, il est revenu, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que à moins 70%, ça me faisait ce duo à quasiment 9€, je crois. C'est un bronzer qui est satiné en fait, c'est pas un bronzer mat. Donc c'est vrai que moi d'habitude, je préfère les bronzers mat. Mais là, en l'occurrence, pour l'été, vu que j'ai beaucoup moins d'imperfections, mon teint est allé, etc., bah franchement, j'ai même plus envie de porter des bronzers satiné que des bronzers complètement mat. On va passer au blush tout de suite. Je vais prendre ma palette de chez Benefit. Voilà celle-ci, la blush bar que j'aime beaucoup. Et je viens prendre ma palette de chez Benefit, la blush bar que j'adore. Et je vais prendre ce blush-ci, c'est le California. Je viens l'appliquer sur mes joues ici. Je remonte un petit peu. Et je viens faire mon petit effet soleil léger. Et on passe tout de suite à l'highlighter. Je reprends ma palette du coup de chez Too Faced. On va tester cet highlighter. J'espère qu'il est pigmenté vraiment. Alors déjà, il est poudreux de ouf. Ok. Ah bah ouais, ça c'est de la pigmentation. J'y suis pas allée de main morte en plus dans le pan. Il est ultra fin sur la peau. Il n'y a pas l'effet du tout de faire ressortir les imperfections ou quoi que ce soit. Ça apporte vraiment cet effet très lumineux. Vous pouvez encore le choper celui-là, n'hésitez pas. Je suis conquise par ce petit duo et je pense que vous allez le voir pas mal cet été. Je l'adore. Mon primer de chez Anastasia qui est très 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 clair pour moi en ce moment. Et quand j'ai mis ma base, en fait ce que je viens faire après c'est que je viens estomper ici pour qu'en fait que ça puisse rentrer dans le teint et essayer d'effacer la démarcation entre la base qui est trop blanche là pour le coup pour moi. Le seul endroit où ça risque de se voir c'est évidemment sous mon sourcil. Je viens prendre la poudre de chez Fenty en teinte Cashew et j'applique ici. Donc pour le coup c'est l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que là ça va légèrement foncer ma base, mais ça va être de la même couleur ou une demi-teinte, une teinte plus claire que le reste de mon teint, vous voyez. Ok, voilà du coup pour la partie teint. Moi je vous laisse du coup avec la suite du make-up. Allez c'est parti, on commence le make-up des yeux avec la palette Norvina, la mini volume 3. Je vais prendre ce fard bleu ciel qu'il y a dans la palette et je vais l'appliquer en creux de paupière avec un 230 de chez Zoeva. Je m'arrête à la moitié, enfin aux trois quarts plutôt, de mon creux de paupière puisqu'après on va rajouter un autre fard pour faire une forme cut crease. Je viens ensuite prendre ma palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills et je viens prendre ce magnifique violet, c'est le fard Cannes.
et je vais l'appliquer en fait dans la continuité du bleu. Je vais essayer d'estomper ensemble ce bleu ciel et ce violet. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à estomper, je reviens un petit peu avec le bleu, je reviens un petit peu avec le violet. Mais voilà, et je crée du coup cette forme cut crease comme vous le voyez à l'écran. Quand j'ai fini d'estomper, parce qu'évidemment j'ai pris pas mal de temps pour estomper tout ça, je viens reprendre mon primer de chez Anastasia et je vais préciser mon cut crease. Je vais ensuite reprendre la palette Riviera et cette fois je vais venir prendre le fard Bahamas, ce rose pétant, et je vais le mettre en fait sur le premier tiers de ma paupière mobile. Je viens ensuite prendre la palette de chez Tarte, la High Tide and Good Vibe, qui était une édition limitée qui est restée pas mal de temps d'ailleurs en vente. Elle a été pas mal soldée chez Sephora, je sais que pas mal d'entre vous avaient craqué pour. Et je viens prendre le fard Drive-In, qui est ce bleu un peu muté, pas un bleu nuit, mais voilà, qui est légèrement irisé. Je vais l'appliquer sur au milieu en fait vraiment de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais venir reprendre la même palette, mais cette fois, je viens prendre le fard Deep Blue que je vais appliquer tout simplement sur le reste, donc sur tout mon coin externe. Et je remonte, vous voyez, pour faire comme un espèce de liner, je pense que vous le voyez bien à l'écran. Voilà, pour créer vraiment cet effet cut crease plein, si je puis dire. Enfin, voilà. J'ai pas du tout les bons termes là, clairement, mais je pense que ce que vous voyez à l'image est beaucoup plus parlant que mes pseudo-explications. Je viens ensuite prendre mon glitter primer de chez NYX, c'est tout simplement en fait une base pour coller les paillettes, etc., les pigments. Et je vais m'en servir pour créer un liner entre le fard bleu et violet et les fards de ma paupière mobile, en fait au niveau du cut justement, au niveau de mon creux. Je vais créer cette espèce de liner avec la colle et on va venir coller juste après les fameuses paillettes. Donc là je prends les Milky Way de chez donc Noche Beauty. Elles sont vraiment magnifiques, je pense que vous voyez à l'écran les close-up, elles sont sublimes. Je vais les appliquer avec un petit pinceau, je les applique relativement grossièrement entre guillemets. Je veux quelque chose d'assez diffus pour qu'on voit bien vraiment la différence de taille des paillettes et je trouve ça très joli. Je sais pas si en caméra on voit bien les reflets, je pense qu'on les voit mais ça rend pas aussi joli qu'en vrai parce que vraiment elles sont sublimes ces paillettes. Voilà, maintenant que les paillettes sont appliquées, on va passer aux fossiles. Ce sont les Don't Test Me, toujours de la marque Noche Beauty. Je vais les appliquer pour une fois en caméra avec vous, c'est pas toujours le cas. Je vous l'ai pas dit mais juste avant j'ai fait un liner. Voilà, tout simplement pour pouvoir permettre de poser les fossiles. Je l'ai fait dans la continuité en fait de mon fard bleu. Alors, j'applique ma colle directement sur mes fossiles, sur la bande. J'essaie de pas trop dépasser sur les cils parce que sinon après pour nettoyer c'est une vraie galère. Et je l'applique généralement moi mes fossiles avec une pince à épiler. Voilà, généralement ça m'aide. Je commence à peu près au milieu, ensuite je cale bien mon coin interne et je cale bien mon coin externe. Je passe à mon Diamond Doux, vous savez, de chez Lime Crime, j'utilise très souvent. Ce sont des paillettes en fait avec un gel incorporé, un petit gel pailleté finalement, qui sèche. Je le mets dans le coin interne, mais finalement je trouvais pas ça assez voyant. Donc j'ai préféré rajouter les paillettes de la petite Norvina de chez Anastasia. Voilà, dans le coin interne, par-dessus du coup ce fard là et ça fait un effet multidimensionnel magnifique. Je viens ensuite prendre le mascara de chez Too Faced, le Damn Girl, que j'aime beaucoup. Après utilisation, honnêtement, c'est un mascara que j'utilise régulièrement. Je vais le mettre sur mes cils du bas. J'avais déjà appliqué ce mascara-là sur mes cils du haut avant de mettre les faux cils. Ensuite, je viens prendre mon Jumbo de chez Nude Stick et c'est la teinte Angel qui est un nude un petit peu irisé. Je vais le mettre en muqueuse inférieure. On passe aux lèvres tout de suite avec un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Madison et je trouve que ça va vraiment bien avec le... Et voilà, je vous laisse du coup avec les close-up de ce make-up. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou pas la marque Noche Beauty. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur autant que moi? Si je vous ai fait découvrir la marque, qu'elle vous donne envie, n'hésitez pas également, on débat en commentaire. Moi sur ce, je vous dis à très très vite dans une future vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à très très vite dans une future vidéo. Bye !